chers compatriotes, rien n'a pas arrêté un peuple qui s'est remis à espérer. Ce dimanche 30 juin, c'est la première étape du changement. Nous sommes donnés en tête par tous les instituts de sondage. Vous devez donc faire de cette dynamique historique qui nous porte une réalité dans les urnes. Dès dimanche, premier tour des élections législatives, vous pouvez tourner la page de 7 longues années de macronisme. Les Français ont trop souffert des divisions, du mépris, de la brutalité sociale. Ils ont trop souffert du laxisme de la justice et de l'immigration dérégulée. Dimanche, vous devez donc dire votre fierté d'être français. Vous devez exprimer un nouveau départ pour le pays. Dimanche, en votant pour les candidats du Rassemblement national et de ses alliés, vous donnerez de la force aux idées et aux priorités que je défendrai demain comme Premier ministre. Ces priorités, je le sais, ce sont aussi les vôtres. Le rétablissement de l'autorité de l'État sur tout le territoire français, le retour de la sécurité, la maîtrise des flux migratoires, la défense de votre pouvoir d'achat, le redressement de l'école, un meilleur accès à la santé et bien sûr la protection des droits et des libertés des femmes. Vous pourrez choisir des dirigeants qui vous comprennent, qui vous écoutent, qui vous considèrent, qui vous respectent et qui par-dessus tout vous aiment comme ils aiment la France. Ne cédez rien. Ne cédez rien aux tentatives de manipulation, aux intimidations, aux artisans du mensonge et aux marchands de peur qui se déchaînent avec l'objectif de vous démobiliser. J'en appelle à toutes les Françaises et à tous les Français d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur choix politique passé. Nous aurons besoin, pour le redressement du pays, de l'énergie de chacun et de la mobilisation de tous. Ayez foi dans la France, soyez libres, soyez passionnément français. Ce dimanche, votez pour les candidats du Rassemblement national que je soutiens. Je compte sur vous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts.